Salut à tous, très heureux de vous retrouver sur le plateau de Gym Tonic. La fin de saison s'annonce palpitante pour les Aiglons avec le championnat et la Coupe d'Europe, la dernière ligne droite pour les joueurs de l'OGC Nice. Et pour en parler, nous sommes en compagnie des experts de la rédaction des sports de Nice Matin, William Ambercé, salut Will. Salut Mika. Salut Romain Laronche, salut Romain. Salut Mika. Et le Big Boss, Philippe Camps. Salut Philippe. Salut, salut à tous. Notre invité cette semaine a porté le maillot rouge et noir dans les années 80, milieu de terrain de talent. Jean-Philippe Rohr est avec nous. Bonjour. Bonjour Jean-Philippe, merci d'avoir accepté notre invitation, d'être sur le plateau de Gym Tonic. Il y aura un beau souviens-toi avec Philippe en fin d'émission, avec Jean-Philippe Rohr également. Mais au sommaire de ce Gym Tonic, nous reviendrons bien sûr sur la semaine des internationaux niçois, avec en particulier la première sélection en bleu de Kefren Thuram. Nous parlerons de Pablo Rosario, le polyvalent. Au menu également l'avant-match face à Angers dimanche à 15h. Et donc ce souviens-toi consacré à Jean-Philippe Rohr. On attaque cette émission donc, messieurs, avec la semaine des internationaux. Kefren Thuram, première sélection en bleu. L'histoire commence à s'écrire, mon cher Will. Ouais, on en parlait un peu en amont de cette sélection. On pensait vraiment qu'il avait pas mal de chance par son profil, par un peu ce registre au milieu de terrain qui manque en équipe de France, et par son nom aussi. Et il a confirmé, il a été appelé, il est rentré en jeu. Il a eu le temps juste de faire sa petite percussion balle au pied traditionnelle, une petite frappe un peu plus molle, mais non, ça fait plaisir. Et puis c'est la confirmation que c'est d'une grosse progression de ce gamin depuis qu'il est à l'OGC Nice. Il n'a que 22 ans et c'est un très gros potentiel pour l'OGC Nice. C'est une récompense aussi de l'avoir d'être allé le chercher à Monaco, de l'avoir fait signer à l'OGC Nice, et aujourd'hui l'international. C'est que du bonheur pour le club et pour lui. Romain, il en a un petit peu parlé. 5 minutes de jeu, c'est pas beaucoup, hein, rentrer à la 89e de ce match-là. Mais voilà, comme il a dit, il y a eu cette petite percussion. Bon, cette frappe un peu molle à la fin, on a peut-être pu le chambrer là-dessus. Mais il a déjà pu montrer en quelques minutes ce qu'il savait faire le GC Nice. Voilà, bon, après, il rentre, il y a 4-0, donc il n'y a pas de stress. Mais c'est vrai qu'on l'a vu, on l'a vu sur la pelouse. Et puis, sur la percussion, j'ai remarqué quelque chose. Il y a Mbappé qui est tout seul à gauche. Il le voit lui aussi, et il le sert pas, il veut tenter sa chance, donc ça veut dire qu'aussi il a du caractère pour pas servir son capitaine et vouloir tenter sa chance. Quoi. Pour prendre ses responsabilités, ouais. Effectivement. Jean-Philippe, c'est une belle histoire qui débute pour Kefren Thuram, qui est un joueur très prometteur aujourd'hui. Ah oui, c'est une belle saga pour la famille, hein, déjà pour le papa, avoir la chance d'avoir ses deux fils dans le groupe France. En plus, j'ai l'impression qu'il y a une ambiance magnifique dans cette famille. Et oui, c'est quelque chose quand même qui est à souligner. C'est magnifique. Mmh. Philippe, on n'a pas vu Todibo, qui était sélectionné, mais qui était convoqué, mais qui n'a pas pu honorer sa première sélection. Il faut dire, on l'a dit, hein, que Upamecano, Konaté derrière, c'est costaud. Oui, puis on a vu que, par exemple, contre les Pays-Bas, Upamecano marque. Et... très peu de temps après son but, que Konaté a failli marquer de la tête. Et donc un but, l'autre a une super occasion. Je pense que c'est ce qui manque encore à Todibo, c'est-à-dire défensivement, il est super costaud, mais c'est que voilà, il marque pas trop de buts, il frappe pas trop. Dès qu'il est dans la surface adverse, c'est peut-être ça qui lui manque un petit peu par rapport aux deux autres. Mais moi, je suis content parce que bon, on a vu Thuram. Je pense que les deux. Ils ont signé un bail avec les Bleus. La dernière fois, c'était Bravo et Guérite qui étaient en équipe de France. Hein, avec, quand il y a eu deux joueurs hein, en même temps. Que Jean-Philippe connaît bien les deux parce qu'ils ont joué avec. Mais Éric Guérite, on ne l'avait plus vu après, hélas. Il avait été appelé une fois. Michel Platini. Ouais, ouais, il avait été appelé, mais il n'avait pas joué. Puis il n'a plus jamais été appelé. Alors que là, je pense qu'on est parti sur un bail pour les deux. En tous les cas, tout l'OGC Nice et le club est fier hein, de cette sélection, et en particulier cette première sélection de Kefren Thuram. On va écouter bien évidemment Didier Digard hein, qui a une relation particulière avec Kefren Thuram. Forcément pour moi parce qu'on a une relation particulière, mais pour le club, on avait pas mal d'internationaux mais étrangers, d'en avoir des Français. C'est une grande fierté puisque ça a toujours été un long débat. Est-ce qu'on peut jouer à Nice et être en sélection? On a réussi à mettre au moins entre parenthèses ce débat. Donc c'est une bonne chose. Et ensuite, voilà, le plus important, c'est pour Kefren. Une première sélection, on ne peut pas l'oublier. Mais il s'est
très bien remis au travail depuis qu'il est rentré. Donc, ça, voilà, ça nous permet de rester sur ce qu'on pense de lui et de sa mentalité. Voilà, donc Didier Digard au micro de Philippe Bertini. Jean-Philippe, avoir des internationaux à Nice, deux internationaux à Nice, quand on joue à l'OGC Nice, c'est ce qu'il disait, on a mis fin un petit peu à cette disette, on va dire ça comme ça. Oui, je trouve que c'est une consécration pour le club également, en plus de cette consécration pour les joueurs eux-mêmes. Je crois que c'est grâce au bon recrutement, au bon travail de Digard. Donc ça couronne le travail du club et c'est vraiment Toi, tu avais été appelé quand tu étais à Metz, non, plutôt, ou à Nice? Non, d'abord à Monaco. À Monaco. Et j'ai été plusieurs fois dans le groupe de l'équipe de France A. Je ne suis pas rentré. Bon, je partais chaque fois en sélection avec des infiltrations. J'étais blessé, mais j'ai été convoqué dans le groupe plusieurs fois quand j'étais à Nice. Et avec une sélection, c'était contre l'URSS, hein, il me semble. Tout à fait. À Moscou. Et tu remplaces José Touré. À Moscou, oui. À un quart d'heure de la fin du match. Oui, il y a eu d'autres internationaux niçois cette semaine, puisqu'il n'y a pas que les Français, et tant mieux. D'ailleurs, est-ce que tu peux nous parler des fortunes de nos internationaux cette semaine? Alors, un peu de tête, là. Et Aaron Ramsey qui est... Tu vas avoir un panneau qui va t'aider, t'inquiète pas. Aaron Ramsey qui a honoré ses premières sélections en tant que capitaine officiel de la sélection galloise, donc avec un match nul et une victoire. Badreddine Bounani, oui, qui a confirmé, comme il l'a fait à l'OGC Nice, dès ses premiers matchs décisifs, ben avec l'Algérie, il a fait pareil, première sélection, première passe décisive qui donne la victoire en plus à l'Algérie en fin de match, donc très importante. Algérie qualifiée pour la prochaine CAN. Kasper Schmeichel, un peu plus dur, une victoire pour commencer, mais après, Kazakhstan, alors qu'il menait 2-0 à la 75e, et le troisième but, Kasper, il est pas. Il est resté encore dans son but, et c'est un centre qui arrive dans sa surface, et il est fusillé de près. Mmh. Et Mofi, qui a joué une heure au match retour contre la Guinée-Bissau, qui n'avait pas joué du tout au premier match. C'était au Simen, je ne sais pas, hier à notre show. Mmh. Et il a joué le deuxième match. Il n'a pas brillé, mais au moins il a participé. Il y a du monde aussi en attaque dans la sélection nigériane. Ajoutons à cela Amraoui, hein, qui a été sélectionné avec le Maroc. Amraoui, qui a été sélectionné. Et comme l'avait dit, contre le Brésil. Hein. Et comme l'avait dit son sélectionneur, c'était surtout pour le faire humer cette ambiance internationale, le faire profiter de coéquipiers comme Hakimi, Mazraoui, des vrais latéraux d'expérience. Donc c'est que du bonheur pour le gamin qui a passé quand même 10 jours. Et puis le Maroc a battu le Brésil quand même. 2-1, effectivement. Donc même s'il était sur le banc, je pense qu'il a bien, aimé. Il a dû vivre un bon moment. Romain, c'est vrai que voilà, voir des internationaux, il y en a toujours eu à l'OGC Nice malgré tout. Mais là, ça concrétise aussi un petit peu ce projet Neos. On voit qu'en ayant recruté ou en formant quelques jeunes joueurs, ça monte d'un niveau là. Oui, et puis je pense qu'ils ont été sélectionnés parce qu'ils sont en quart de finale de la Coupe d'Europe. Et Didier Deschamps, il regarde ça. En général, il sélectionne des joueurs qui sont rompus à ces matchs-là, à ces matchs couperés, tout ça. Et s'il y a deux sélectionnés en équipe de France, à mon avis, c'est le parcours en Coupe d'Europe, il n'est pas étranger. Après, on parlait tout à l'heure, Upamecano, Konaté, ils sont titulaires dans deux équipes qui jouent à la Ligue des Champions chaque année. Donc, pour lutter avec ces gars-là, il faut jouer des compétitions comme ça. Mmh. Et d'ailleurs, il a dit, Jean-Claire Todibaud, lors de sa conférence de presse en équipe de France, il était très fier de porter le maillot bleu en étant sous les couleurs de l'OGC Nice, mais peut-être qu'à un moment donné, il faudrait qu'il aille voir un petit peu ailleurs pour, effectivement, peut-être glaner une place de titulaire un jour. Bah, c'est normal, puis c'est quand même quelqu'un qui a déjà connu aussi des passages Barcelone, Schalke, Benfica, qui ne sont pas des petits clubs européens non plus, s'il n'est pas imposé. Maintenant, il est lancé sur une voie royale avec l'OGC Nice, avec cette première convocation. Donc si ce n'est pas cet été, ce sera le suivant. Mais il a été très niçois dans sa conf. Hein. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'il a parlé du club et que quand on lui a parlé d'aller dans un autre club pour franchir un palier et tout ça, il a dit que bon, pour l'instant, il était à Nice. Et qu'il y a un paramètre aussi très important dans sa réflexion. Il n'a pas fait passer le club pour un marchepied, quoi. Non. C'est Didier Digard aussi qui est très important. Qui est très proche, effectivement, de Jean-Claire Todibaud et dans sa progression également. Alors, un joueur qui n'était pas, lui, appelé cette semaine, mais qui, ces derniers temps, joue plutôt beaucoup du côté de l'OGC Nice, c'est Pablo Rosario, le néerlandais, au milieu de terrain, en défense, polyvalent, ce Pablo Rosario. C'est un petit peu le couteau suisse de l'OGC Nice en ce moment, avec les blessures, Will. Le vrai couteau suisse, c'est Youssouf.
pour moi. Ouais, ouais. Mais il a été blessé. Il a été blessé. Mais Pablo, ouais, il ressort de sa boîte, encore une fois. Il y avait des manques en l'absence de Youssouf, en l'absence d'Hicham aussi. Boudaoui. Ouais. Il peut dépanner derrière, comme il a refait dans cette défense à 3. Il revient au milieu, il apporte cette agressivité. Donc, c'est pas le plus technique des milieux de terrain, mais un engagement, une envie, une agressivité qui font vraiment du bien au milieu de terrain et même derrière. Donc, c'est un soldat. Et des joueurs comme ça, dans un effectif, dans une saison, ça compte. On va voir les stats de Pablo Rosario cette saison du côté de l'OGC Nice avec ses matchs joués. Hein, 22 matchs joués depuis le début de la saison pour Pablo Rosario. Jean-Philippe, pendant qu'on regarde les stats de Rosario, c'est vrai que Will le disait, joueur de devoir, peut-être un peu encore léger techniquement. Oui, bon, comme vous le soulignez, c'est un joueur qui apporte beaucoup de par sa polyvalence. Mais au milieu, je pense que il a quand même certaines lacunes techniques pour un club qui vise l'Europe. Mais il faut des joueurs de club, des joueurs de devoir et qui peuvent évoluer à plusieurs postes, que ce soit en défense centrale, au milieu. Donc, ça fait partie d'un effectif. Et puis, c'est pas réducteur de dire que c'est un joueur aussi qui n'hésite pas à mettre le pied, hein, Romain. Ah bah je crois que c'est sa principale qualité. Hein. De toute façon, le Rosario de cette saison, c'est le même que la saison dernière. Et effectivement, il a toujours ses lacunes techniques, mais c'est lui qui met des brins, c'est lui qui met de l'agressivité au milieu, ou même en défense. De toute façon, quand il est bon en défense, c'est principalement pour ça. Hein. Dante, il l'avait souligné, il a dit qu'il peut me remplacer, justement parce qu'il a l'agressivité d'un défenseur central. Après, moi, j'ai connu des joueurs, j'en ai en face, qui savaient mettre des brins, mais qui, techniquement, c'était des vrais footballeurs. Enfin, je ne dis pas que c'est un faux footballeur, loin de là. Hein. Mais qui étaient fluides, qui savaient donner un ballon, qui savaient... on peut avoir les deux qualités, quoi. Ouais. Jean-Philippe est bien placé pour le savoir, d'être agressif et en même temps d'avoir un vrai sens du foot, quoi. J'ai l'impression qu'il se disperse un peu. Tellement il a de l'activité, il perd en qualité technique souvent dans les matchs. Par contre, autre preuve de son état d'esprit irréprochable aussi, c'est que l'été dernier, c'était posé la question, même Lucien Favre ne comptait pas vraiment sur Pablo Rosario par ce profil qui manque de qualité, tout ça. Et au final, il était proche de la sortie, c'est un garçon qui s'est toujours accroché et qui répond présent quand on fait appel à lui. Donc là aussi, un mental professionnel. Mais il avait eu un vrai trou, là, j'ai trouvé. Parce que quand il est arrivé à Nice... Ouais, avec le duo avec Lemina, ça a marché fort. Hein. Et puis il est arrivé, il avait fait une super conf de présentation. On a senti de suite que... Et à un moment, il a eu un gros trou. Quand même. Un peu comme ça a coïncidé depuis février-mars, quand l'équipe a un peu coulé, l'a coulé avec. Quoi. Mars... En tous les cas, ouais, Didier Dier, il est satisfait hein, de son joueur, Pablo Rosario. On écoute l'entraîneur de l'OGC Nice. Il pose pas de questions. Peu importe où tu le mets, il est content, il donne tout, C'est un joueur exemplaire, ça fait partie des joueurs plus qu'importants dans le groupe. Dans son investissement au quotidien, à l'entraînement, il tire toujours le groupe vers le haut. C'est quelqu'un qui ne triche pas et on peut le voir sur le terrain. C'est un homme d'équipe et il ne se pose pas de questions sur le poste auquel on le met. Il donne tout et il est au service de l'équipe. Voilà, donc Pablo Rosario au service de l'équipe polyvalent. On se disait avec Will, il a même joué arrière-droit hein, cette saison du côté de... contre Auxerre en deuxième période. Ouais, c'est ça. La deuxième période arrière-droit. Ouais. Parce que le Tomba, tout ça a été pété. Donc voilà, c'est... Encore, et c'est aussi un signe de confiance de Didier Digard de dire tellement qu'il donne tout ce mec, je peux même le mettre à l'arrière droit, il va faire le job. Et il a fait plutôt le job. Il n'est pas si jeune que ça. Non, il doit avoir. Là, je dirais la bêtise. Il a 26, 27. 27 avec une sélection. Une seule sélection néerlandaise à l'époque où il était au PSV. Effectivement. Allez, on va passer aux abjim, l'actualité et les coulisses de l'OGC Nice captées par les caméras de GC Nice TV. Ce soir, l'OGC Nice a une pensée particulière pour Luca, décédé à l'âge de 10 ans. L'OGC Nice fait un hommage à mon fils, qui est décédé il y a 5 ans. Passionné de football, ce jeune garçon nous a quittés il y a 5 ans. On honore ce soir ce petit guerrier en présence de sa famille
ses parents David et Laurence et sa petite sœur Léana. Nous rappelons que le gym est partenaire du Point Rose depuis 2015 et que le Point Rose figure sur le maillot du gym durant toutes les compétitions européennes. Le deuxième anneau, le troisième anneau, j'aime tout le monde. C'est une belle histoire, d'amour qui va continuer, j'espère qu'il continuera très très longtemps. Ça fait 7 ans et on est parti pour encore 2 ans, donc presque 10 ans. T'es l'ancien du groupe au final. L'ancien du groupe maintenant, ça y est. J'ai le même point que Paille maintenant. J'aime ce club depuis très longtemps, parce que déjà ça fait depuis mes 15 ans que je suis ici, je le répète encore. Très très fier de faire partie de ce projet et de ce club. Et vu que je suis ambitieux, j'ai envie d'être dans ce projet-là. Je vous remercie du soutien témoigné. Et j'espère que je pourrai vous rendre l'appareil dans les années à venir ou les mois à venir. Merci beaucoup. Voilà donc pour ce Zap Gym que vous pouvez retrouver en intégralité sur les supports médias de l'OGC Nice. Messieurs, on va passer à l'avant-match de Angers, dimanche à 15h. Alors Angers, évidemment, dernier au classement, équipe en pleine perdition. On va regarder le classement de l'OGC Nice plutôt et remarquer qu'avec ces 3 nuls consécutifs, oui, on a plutôt stagné au classement et on se retrouve à 6 points de la 5e place. Ouais, comptablement, c'est pas terrible les 3 derniers matchs, mais c'est Florent Kisolfi qui voulait vraiment passer ce message à l'issue du dernier match nul contre Auxerre. Au club, ils sont quand même vraiment satisfaits de cette dynamique, que c'est surtout dans le contenu, dans l'énergie, dans l'état d'esprit déployé par cette équipe. Encore, même sur les derniers matchs nuls, voilà, les scénarios sont un peu contraires et puis l'équipe va au-delà pour aller chercher le résultat, pour ne pas perdre. Et à chaque fois, c'est cette conviction qui rassure, que ce soit les dirigeants. Les joueurs étaient un peu plus déçus du résultat, mais en même temps, en gardant cet état d'esprit jusqu'au bout, je pense que la récompense, ça sera pas loin. 13 matchs consécutifs sans défaite pour Didier Dicard. Jean-Philippe, on imagine comme nous, vous avez été surpris entre cette équipe première partie de saison avec Lucien Favre et cette deuxième partie de saison pour l'instant, c'est un peu le jour et la nuit, quoi. Ah oui, c'est impressionnant ce que Didier Dicard a réussi à insuffler à ses joueurs. Je crois qu'en grande partie, il les a mis en confiance. Et effectivement... on ne reconnaît plus l'équipe de la première partie de saison. Un entraîneur, ça fait quoi ? Un ancien joueur, quand ça ne va pas sur le terrain, qu'est-ce qu'il peut actionner comme levier l'entraîneur pour essayer que ses joueurs aillent dans le bon sens ? L'importance d'un entraîneur est capitale, parce qu'il y a certains entraîneurs, de par leur charisme, de par leur honnêteté, de par leur qualité... qui donne envie aux joueurs de leur donner beaucoup. Et moi, je sais que pour certains entraîneurs, j'avais en plus envie de donner parce qu'ils le méritaient. Mmh. Et donc, je suis certain que c'est ce que ressentent la plupart des joueurs pour Didier Dicard à l'heure actuelle. Mmh. Cette série de 3 nuls, malgré tout, Romain, c'est vrai que... Bon voilà, à Nantes, l'OGC Nice se fait rejoindre à la fin. Lorient, il y a ce penalty loupé par Laborde. Auxerre, bon, c'est une équipe assez prenable. Arbitrage catastrophique. Alors, l'arbitrage, peut-être, on peut en parler effectivement de Rudy Buquet. Carnévalesque. Il y a au moins 2 ou 3 mains, allez, on va dire, à siffler. Enfin, 2-3 penalties en faveur de l'OGC Nice. Oui, 2-3 penalties, il y a 2 mains sûres. Ouais. Mais bon, malgré tout... Bah, moi, je suis pas aussi affirmatif que vous. Hein. Sur l'arbitrage ? Ouais, j'en trouve un flagrant. Ouais. Bah, c'est déjà pas mal. Mais après... Lequel ? Sur PP ? Celui où il se tourne, il ouais, donc sur PP. Mais en première mi-temps, il y a celui où il fait contrôle genou, lui-même, et il se l'envoie sur la main. Là, c'est plus frappe contrée, ouais. C'est erreur technique. Bon, les 3 nuls, j'ai vu pire comme arbitrage. Ce qui stagne au classement, oui, on a un peu dit, si tu veux jouer l'Europe, tu prends 3 points en 3 matchs, tu perds du terrain. Parce que, comme tu dis, c'est des équipes qui étaient prenables. Hein, mais après, cette série, je pense que cette série, elle est importante aussi pour le groupe d'être toujours invaincu. Maintenant, en plus, Dicard, c'est le dernier coach de Ligue 1 invaincu. Oui, parce que Wilstil a perdu. Ah oui, c'est vrai. Et donc, je pense que cette dynamique, elle est importante à entretenir. Donc,
Comptablement, c'est pas une bonne opération, mais pour le groupe, je pense que ça. Pour la tempérer, il y a quand même un vrai chiffre aussi. C'était avant que Didier Digard, avant le premier match de Didier Digard, Nice avait 12 points de retard sur la 5e place. Même avec ces 3 nuls consécutifs, ils ont rattrapé déjà la moitié. Ils sont plus qu'à 6 de la 5e place. Et il reste 9 et matchs. Et il reste 10 matchs. 10 matchs. 10 matchs. Donc c'est largement jouable. Mais c'est surtout, voilà, donc 11 matchs. De championnat, Didier Digard a rattrapé 6 points déjà de retard sur la 5e place. Donc même avec ces 3 nuls, ils ont avancé, ils ont continué d'avancer. Et le contenu fait que finalement on voit cette équipe qui continue d'avancer. Jean-Philippe, est-ce que l'OGC Nice va devoir choisir à un moment donné entre le championnat et la Coupe d'Europe? Je pense pas. Le fait de jouer plusieurs compétitions permet d'entretenir encore une concentration, une qualité de travail superbe, et je crois que c'est une bonne chose. Ils vont sublimer, ils ont un effectif qui est quand même de qualité et quantitatif, et je crois que c'est une bonne chose d'avoir la chance d'être encore dans le coup pour les deux compétitions. Allez, en tous les cas, il y a d'abord ce match à jouer face à Angers. Donc dimanche, on va écouter Didier Digard. Match facile, match où les 3 points sont obligatoires. Eh bien, écoutez la réponse de l'entraîneur. Oui, il faut absolument l'emporter. Mais après, ce n'est pas non plus une question de vie ou de mort. Hein. Donc, il ne faut pas avoir une pression démesurée. Il faut vouloir le gagner, tout comme on aura envie de gagner le match prochain. On sait que plus on s'approche de la fin, moins on a le droit à l'erreur et plus les points coûtent cher. Donc on va tout faire pour le remporter, mais sans non plus une pression folle. Voilà, toujours mesuré, hein, Didier Digard, dans ses propos. Pas de vie, oui, évidemment, pas de vie ou de mort si tu perds un match de football, c'est que du football. Il a raison de le souligner, je trouve. Oui, c'est vrai, mais quand même. Alors, on va pas faire le débat, parce qu'après on aura un pour-contre, match facile ou pas, match, enfin 3 points assurés ou pas du côté de l'OGC Nice. Mais cette équipe d'Angers, elle est en train de tout révolutionner. Donc elle va finir en Ligue 2. Personne ne comprendrait que l'OGC Nice ne gagne pas à Angers, Philippe. Surtout après les 13 matchs qu'on vient de vivre. Et puis, moi, ce que je souligne, c'est que dans ces 13 matchs, même s'il y a eu des nuls, ils n'ont jamais raté un match. Où on s'est dit, là, ils sont passés un jour sans, ils sont passés à travers. C'est, pas un seul, sur les 13. Hein. Même quelques mi-temps un peu difficiles. Oui, mi-temps. Ouais, mais je trouve pas que... Après, si Angers met le bus et que voilà, c'est un bloc bas, on a vu que les blocs bas, ça gênait le gym. Bon, enfin, pas que le gym, hein, l'équipe de France contre un bloc bas en Irlande, ça a été pareil. Hein. Ouais, après, c'est peut-être pas les mêmes déménageurs irlandais du côté d'Angers, parce qu'ils savent qu'ils sont condamnés. Non, en ils gros, ont quoi. Pris des butins, et puis ils vivent une situation très compliquée. Donc, ils ont changé cette semaine président. De président. Ils avaient déjà changé d'entraîneur. C'est le fils qui de Saïd Chaban qui prend la présidence. Est-ce que c'est un vrai changement? On ne sait pas, bon, ça, on n'est pas dans le club d'Angers, évidemment. Quoi d'autre? Ils ont changé l'entraîneur aussi. Enfin, ils ont deux fois, hein, ils ont changé l'entraîneur déjà. Oui, et puis ils ont changé la deuxième fois sur une polémique. Ouais. De l'extérieur, malheureusement, Angers, on a l'impression qu'il n'y a rien qui va. Quoi. Aujourd'hui, c'est un club c'est le club le plus en jachère de toute la Ligue 1. Mais le football. De toute façon, Angers, c'est Jean-Marc Guillou, c'est tout. Hein. Voilà, depuis Guillou, Angers, bon, voilà. Avant le débat, on va parler d'un joueur qui revient peut-être au bon moment du côté de l'OGC Nice, eh bien, c'est Nicolas Pépé. C'est vrai qu'il a eu quelques petits bouts de match depuis son retour de blessure, mais est-ce que, Romain, ça peut être le facteur X de l'OGC Nice dans cette fin de saison, Nicolas Pépé? Oui, moi je crois, parce que sur la première partie de saison qui était décevante du gym, ça l'était, c'était le facteur X. En fait, il a marqué ses buts. Et 6, ouais, c'est le deuxième meilleur buteur du club. Et le danger venait quasiment exclusivement de lui. C'est lui qui a amené de la vitesse, qui provoquait. Ça ne marche pas toujours. Ce n'est pas le Pépé de l'époque lilloise. Mais sur la première partie de saison, il apportait quand même quelque chose. Cette attaque est un peu à tonne. Et bon, c'est vrai qu'il est resté deux mois sans jouer avec sa blessure au genou. Donc, c'est normal qu'il manque un peu de rythme, il manquait de rythme contre Lorient, mais moi j'y crois. Ouais. Jean-Philippe, Nicolas Pépé, est-ce qu'on en a. On n'a peut-être pas encore vu assez de Nicolas Pépé cette saison. On en attendait beaucoup quand même. Hein. Oui, parce que c'est un joueur de classe mondiale, que ça soit à l'époque lilloise, que ça soit
d'une façon moins régulière à Arsenal, mais c'est un garçon qui est capable de faire de telles différences dans les 30 derniers mètres que ça, ça reste toujours un atout exceptionnel. Donc c'est un joueur qui peut aider Nice là, à aboutir à ses objectifs. C'est un joueur qui est imprévisible, mais moi je trouve que des fois il est même imprévisible pour ses partenaires. C'est un soliste. Il a tendance un peu à s'agacer. D'ailleurs, lui-même le reconnaît. Ouais. Quand il n'est pas bien servi ou quand on n'attend pas le, quand on lui donne pas le ballon. Il a déjà joué avec Mofi, non? Ben là, la dernière fois, parce qu'il n'était pas non. contre Lorient. Ouais, c'est on vrai. On parlera de la compo probable tout à l'heure, mais il risque d'avoir une première. Ça peut être. C'est ça, parce que en plus, comme le disait Romain très justement, c'était le meilleur, le plus gros danger de l'OGC Nice en première partie de saison, mais c'était un OGC Nice très stéréotypé. C'est justement sans la percussion de Pépé, il se passait pas grand-chose d'autre. Alors qu'aujourd'hui, il est tombé, il s'est blessé au moment où Didier Guiga reprenait l'équipe. On voit une équipe qui tourne, et lui va pouvoir apporter sa variété, sa percussion en plus. Donc je pense que c'est là qu'on arrive dans une période la plus intéressante pour voir Pépé ajouter de la plus-value à cette équipe-là et trouver des combinaisons avec Mofi qui peuvent être intéressantes. Alors on va l'écouter justement Nicolas Pépé sur son état de forme, comment il a profité de cette trêve internationale et bien pour revenir à 100%. Oui, c'est sûr que cette trêve m'a beaucoup servi, surtout aussi dans la récupération de ma blessure. Il était important pour moi de bien revenir pour cette fin de saison. Donc, j'ai passé mon temps à me soigner au mieux. Je suis à 100%. Après, c'est sûr que ça faisait quand même 2 mois que j'avais pas joué. J'ai repris le dernier match en jouant 90 minutes, mais c'est sûr qu'il faut un peu plus de temps pour que je retrouve le rythme. Voilà, retrouver du rythme pour Nicolas Pépé, ça viendra évidemment en jouant. Et le calendrier de l'OGC Nice, Romain, fait que il va avoir le temps de jouer Nicolas Pépé malgré tout. Ah bah oui, avec les matchs de Ligue Europa Conférence, ils vont pas mal enchaîner. Il va avoir des matchs tous les 3 jours, donc clairement, on l'a vu, Didier Digard, il faisait tourner entre les matchs de Ligue Europa et de championnat, donc il va avoir du temps de jeu. Puis vu comme disait Jean-Philippe Roy, vu la classe du joueur. S'il retrouve la forme, il sera titulaire. En tous les cas, Didier Digard, lui, est très satisfait de Nicolas Pépé, en particulier cette semaine d'entraînement. S'il joue comme il s'entraîne depuis le début de la semaine, j'aimerais pas jouer contre lui. Voilà, c'est un joueur que tout le monde connaît, qui a des qualités énormes, une faculté d'éliminer et de marquer beaucoup de buts, qui va vite. Très bon dans la passe aussi, donc cette semaine il s'est même mis au repli défensif, donc c'est ça qui me fait peur pour les adversaires. Là ça fait un peu beaucoup, mais qu'il joue sur ses qualités et je pense qu'il va nous faire énormément de bien. Oui, si on écoute Didier Digard, on va mettre une petite pièce sur Nicolas Pépé, buteur à Angers, hein. Surtout qu'il joue contre son club formateur. Oui. Donc c'est ça aussi, souvent les joueurs qui jouent contre leur club formateur font pas de cadeaux et ils réussissent. Donc petite pièce sur Pépé buteur, pourquoi pas. Ouais. alors on le sait, Romain, il appartient à Arsenal, Nicolas Pépé, acheté 80 millions d'euros à l'époque par Arsenal. Aujourd'hui il est prêté à l'OGC Nice et Arsenal a fait comprendre qu'il n'en voulait plus. Ouais, mais bon, c'est quoi sa valeur marchande? Une trentaine de millions d'euros, c'est ça? Ouais, à peu près, ouais, sûrement. Donc, aujourd'hui, c'est quand même une sacrée somme encore. Hein. Ouais. Ouais, s'ils en veulent plus, ils le soldent alors. Ouais. Est-ce qu'ils pourraient le laisser libre, tiens, par exemple? Non, j'imagine pas. Il lui reste un an de contrat. Ils ont déjà pris 50% de son salaire pour le prêter à l'OGC Nice, qui est un salaire énorme. Donc déjà, je trouve que l'Arsenal a déjà fait un bon cadeau en disant, allez, on vous le laisse et en plus, on vous aide à payer son salaire énorme. Donc là, non, ils vont pas dire en plus, cadeau, on vous le donne cet été. Oui, mais le problème, c'est qu'il ne peut pas être prêté une saison supplémentaire, hein, parce qu'on ne peut pas être prêté dans la dernière année de son contrat. Donc aujourd'hui, c'est soit le vendre, ils vont le vendre, mais 30 millions d'euros, quel club va mettre 30 millions d'euros sur Nicolas Pépé aujourd'hui? Non, mais il y a une valeur, peut-être sur Transfert Market, mais sa fin de saison va conditionner pas mal sa valeur. Et aujourd'hui, il est à 8 buts, toutes compétitions confondues. C'est pas mal, mais c'est pas du niveau d'un Nicolas Pépé, normalement. S'il finit à 15... Marseille a bien mis 30 millions pour Vitinha. Qui? Jean-Philippe, c'est vrai que sa fin de saison va être déterminante à Nicolas Pépé pour peut-être convaincre les dirigeants niçois de mettre une certaine somme sur lui pour l'acheter, soit pour aller voir ailleurs. Tout à fait. Comme le disait Didier Digard, apparemment,
Il est en pleine forme à l'entraînement et effectivement, sa fin de saison va conditionner les bons résultats de l'OGC Nice et puis la faculté pour lui de retrouver un club européen, parce qu'il a quand même des qualités hors normes. Donc effectivement, il a tout dans les pieds pour arriver aux 15 buts. Je crois que s'il arrive à 15 buts, l'OGC Nice en bénéficiera au niveau résultat et lui également pour son prochain club. Il faudrait que Nice joue la Coupe d'Europe pour garder Pépé, a priori. Mais imagine, Nicolas Pépé met 15 buts et Nice remporte la Coupe d'Europe. Il vaudra 30 millions hein, cet été. Et se qualifie pour la Champions League. Pour la, oui, alors ça, c'est dans les on n'ose même plus y croire. Là, on disait que c'était déjà presque un miracle ce que fait Digard. Là, je vais à Lourdes. J'y vais. Et Baratelli revient dans la cage. Ça y est, il fallait la placer. On va l'écouter, non pas Dominique Baratelli. Qui était chez le confrère de France Blasure, tu as vu ça? Oui, c'est mais il viendra au moins un jour. Il viendra ou il nous aime pas. Il sera là, il viendra. Ouais, parce que pour l'instant, mais je ferai l'émission seul avec lui. Ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire. Peut-être qu'il veut faire un tête-à-tête avec toi. C'est ce qui sera. Aller manger tous les deux, et puis ça sera fait comme non, ça. Non, on veut l'entendre, nous aussi. C'est vrai qu'on veut l'entendre. Depuis le temps qu'il nous en parle. Philippe, allez, celui qu'on va entendre, c'est encore une fois Nicolas Pépé, justement à propos de son avenir. Je suis très heureux depuis que je suis à Nice. C'est sûr que la ville, les supporters, le staff et mes coéquipiers m'ont très bien accueilli ici. Donc c'est sûr que je suis très content. Maintenant, il reste deux mois importants pour le club qui peuvent être même historiques. Donc c'est sûr que je vais me concentrer sur ces deux derniers mois et ensuite on verra la suite. Voilà, on verra la suite pour Nicolas Pépé sous les couleurs de l'OGC Nice. On va passer au pour contre de la semaine. Messieurs, on en parlait tout à l'heure, cette équipe d'Angers en perdition, dernier du classement qui ne gagne plus un match. Le dernier match qu'ils ont gagné, c'est peut-être contre Nice, non? Ou peut-être ils ont dû gagner avant. Tout à fait. Hein, c'est ça. C'est mon argument. C'est un de tes arguments que je viens de te griller, mon cher Will. Donc Angers-Nice, 3 points assurés. Pour te laisser réfléchir peut-être à d'autres arguments, je vais passer la parole à Romain d'abord. Donc oui, pour moi, c'est 3 points assurés. Angers sont sur une série catastrophique. Donc là, ils sont sur 5 défaites d'affilée. Mais ça fait 20 matchs qu'ils n'ont plus gagné depuis ce fameux match aller rocambolesque avec l'expulsion de Todibo au bout de 9 secondes. C'était en septembre. D'ailleurs, après ce match-là, Angers enchaîne sa deuxième victoire consécutive et revient au même nombre de points que le Gym. C'est incroyable, on est à la 8e journée. Et depuis, plus une seule victoire. Angers, ils sont en train de battre tous les records en Ligue 1. Donc ils ont fait 13 défaites consécutives, c'était du jamais vu. Et là, ils sont en train d'aller chercher deux records. C'est même des records. Ils vont marquer l'histoire du championnat. C'est le nombre de matchs sans victoire, c'est 23. Ils en sont à 20. C'est 23, c'était Arles-Avignon. On se souvient de la saison catastrophique d'Arles-Avignon. On s'en rappelle, on se souviendra de la saison d'Angers. Et le plus petit nombre de points marqués en Ligue 1, ça date de Lens. En 88-89, c'est 17 points. Là, ils en sont à 10. Mais alors, au rythme actuel, c'est-à-dire 2 nuls et 18 défaites, c'est pas sûr qu'ils les marquent, les 7 points. Et pour ajouter à l'argumentaire, ils ont perdu au Mercato leurs deux meilleurs joueurs, Unai qui partit à l'OM et Boufal au Qatar. Donc il n'y a plus de danger du tout dans l'attaque angevine. 20e défense, 19e attaque. Parce qu'il y a Ajaccio qui est pire pour un but. Donc là, je vois pas comment le Gym ne peut pas gagner face à Angers. Et moi, je vois pas comment Will va pouvoir contrer tous ces arguments implacables. À toi, Will. Le premier, c'est qu'on connaît trop bien le Gym. Et notre club adoré a souvent relancé... Les Maccabées, des morts-vivants. Non, mais c'est vrai. C'est un peu le travers de ce club. Quand il y a un club qui a plus gagné depuis 100 ans, arrive le Gym... Et ça y est, la victoire revient chez l'adversaire. Donc non, trêve de galéjade. Ouais. Je vais placer celui-là. Ça marche pas comme ça. Où galéjade. Non, en plus, voilà, c'est ça. Donc il y a ça. Et oui, Nice a déjà perdu cette année contre Angers. Donc même psychologiquement, ça peut... Les joueurs se rappellent de cet affront. Ils sont traumatisés. Non, ils ne sont pas traumatisés, mais ils se rappellent qu'ils font partie des seules équipes déjà battues par Angers cette saison. Donc tu es déjà dans le costume un peu du clown de la saison. Donc tu ne vas pas le faire deux fois. Donc, mais voilà, il y a du coup un peu de chaleur.
challenge sur un match qui semble gagné d'avance. Et puis le football, on a déjà vu que les matchs gagnés d'avance, ça n'existe pas. Et puis rappelons juste un truc, c'est que l'OGC Nice l'année dernière avait perdu deux fois contre Dijon, qui avait été relégué. Voilà. Cette saison. Et je me souviens d'un club de Ligue 1 qui a été éliminé en Coupe de France il n'y a pas longtemps par la Bossette, que personne ne le voyait venir. Effectivement. Et dans le football où tout match est facile, ben, je suis pas là. Pas l'Olympique de Marseille. Et le puits. On débat là-dessus. Oui, on sait exactement qu'un jamais un match n'est facile. Il ne suffit pas de rentrer sur le terrain pour le gagner. Mais là, quand même, Angers, avec toutes les stats que vient de nous dire Romain, personne ne comprendrait que le GC Nice ne prenne pas 3 points là-bas. Non, pour moi, il n'y a aucun souci. 4-0. deux buts de Mofi, un but de Pépé et un but de Thuram. Eh ben voilà. C'est pour le pronostic. Ben oui, ça va nous permettre. Tiens, on va le faire tout de suite. Le cadeau de la semaine. Allez, puisque Jean-Philippe nous a lancé là-dessus, après je te donnerai la parole, mon cher Philippe. Le cadeau de la semaine, c'est 2 places pour Nice-Bâle le 20 avril, le quart de finale retour de Ligue Europa Conférence. 2 places à gagner. Non, il faut pronostiquer. Alors peut-être vous allez suivre l'avis de Jean-Philippe Rohr. Il faut pronostiquer le score exact et les buteurs d'Angers Nice dimanche après-midi avec le hashtag Gymtonic sur nos réseaux. Nous, on a déjà aidé, on a mis la petite pièce sur le but de Pépé. Jean-Philippe qui dit 4-0 avec un doublé de... Il a donné le jackpot. Hein. Ils vont tous jouer ça, et ce sera le premier qui répondra si c'est juste. Ouais, Angers va se méfier maintenant. Ils vont mettre peut-être le bus. Philippe, ton avis sur le débat ? C'est un débat qui ne m'a pas du tout intéressé. C'est vrai ? Ouais, excuse-nous, la prochaine fois tu le choisiras. On s'en fout complètement de qu'on parle de ce que c'est assuré, pas assuré. C'est du football fiction, c'est ça ? Un point romain, comme ça, pour embêter un peu Will. Voilà. Ouais, c'est tout. Ils vont je gagner, trouve qu'il n'y a pas eu assez d'embêtement. Il n'y a pas eu assez d'ennui aujourd'hui. Ouais, c'est pour ça, c'est pour un enchaînement pour Will. Un coup sur la tête en plus. Je le prends. Bon, allez, ça va, on verra en tous les cas. Franchement, on peut ressortir la séquence la semaine prochaine si Nice perd Angers, les gars. Ça sera compliqué pour certains. Je me reviendrai comme ça. Non, je suis dégoûté quand même. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ouais, tu veux évidemment avoir tort sur ce débat. J'espère. Mon cher Philippe, on va parler un petit peu de la carrière de Jean-Philippe Rohr. Oui, juste un petit mot. La compo probable, peut-être. Mais tu as raison. Ah oui. Donc avais-je la tête ? Oui. Hein ? Bon, allez, la compo probable. Oui. La compo probable que nous avons concoctée ensemble. Mon cher Mika. Je t'ai pas trop laissé le choix. Mais... Non, mais c'était très bien. Hein, c'était très bien. Et donc, j'attends ou pas l'incruste. Ouais. Tu peux commencer par Schmeichel, je pense. Ben, Schmeichel, il n'y aura pas de surprise. On verra le débat s'il sera lancé en Coupe d'Europe. Ouais. Antoine Mendy qui devrait revenir dans le couloir droit puisque Jordan Lotomba est encore blessé. Ça risque de durer encore quelques semaines Youssef pour Attal Jordan. Aussi. Pour Youssef Attal aussi. C'est dommage parce que, bon, arrive dans même Paris dans 10 jours. L'enchaînement, c'est dommage. Juste un mot par rapport à BKBK qui peut aussi évoluer sur le couloir droit. Ouais. Est-ce que les deux sont en balance pour toi ou Mendy est un spécialiste du poste? On va rester quand même sur une logique. Mendy qui est un spécialiste du poste et Didier Digard qui fait confiance aux jeunes et qui l'a lancé plusieurs fois. En d'entrée de match, donc voilà, la logique serait qu'il fasse confiance aux prédisposés au poste. Ensuite, la charnière Dante Todibo, on le redit tout le temps, mais la meilleure charnière de Ligue 1 sera encore là. Melvin Barthes qui revient aussi à gauche, ça aussi c'est important. Didier Digard était content que ce ne soit pas si grave ses problèmes de ligament au genou. Qui a très bien récupéré Melvin Barr, grande... Et il a beaucoup d'humour. J'ai vu dans une vidéo où il fait un peu de la cuisine et il réussit à bien couper la viande. Il est fier de lui et il dit « Tiens, je fais ça mieux que les centres ». Ah oui ? Ouais, il a de l'humour. Oui, il a de l'humour. C'est pas faux d'ailleurs. Non, c'est pas faux, mais peut-être qu'il en a conscience et que... Hein ? Tiens, je rajoute 4-0 passe-dé de Melvin Barr. Allez. D'accord. sur la tête de Mofi. Voilà. Et donc au milieu, Rosario, puisque Boudaoui est un peu gêné à la hanche, au dos, c'est un peu inquiétant à force. C'est un peu compliqué pour Boudaoui. Il était en sélection, Boudaoui, là, avec l'Algérie. Ouais, il a joué le premier match, ouais. Il n'a pas joué le second, et parce que sûrement la douleur s'est réveillée, c'est une douleur récurrente qu'il a au dos. C'est très inquiétant du côté de l'OGC Nice. S'il pouvait le mettre dans la glace tout le temps, il le ferait. Ils ne vont pas prendre de risques en tous les cas, avec juste sans les mots de Didier Digard, parce que après derrière les échéances, il y a le Paris Saint-Germain, il y a Bâle, effectivement. Complet. Donc Rosario qui fait le boulot, et Ramsey qui sont les deux relayeurs les plus performants. Sur Ramsey, il y a une petite incertitude par rapport au fait qu'il ait peut-être joué les deux matchs avec l'équipe du Pays de Galles, mais Didier Hardy, comme il a joué mardi, et que le match est dimanche. Et qu'il avait fini, avant de partir faire ses deux matchs avec le Pays de Galles, par jouer 90 minutes avec Nice aussi. Donc il fait des matchs pleins de plus en plus, Ramsey. Je trouve qu'il a une belle condition physique maintenant. Donc, Et Youssouf est de retour au passage.
Son retour dans le groupe. Ouais. Youssouf, et qu'il faut être prudent aussi pour les échéances à venir. Et devant, ben voilà, ça serait. Ça, c'est important. Ça. Ouais, c'est la première fois qu'on pourrait voir cette triplette Pépé, Mofi, Laborde. Très intéressant parce que vraiment très varié dans tous les profils. Pépé, la vitesse, Mofi, vraiment le point central, Laborde qui se démène de tous les côtés. Ça peut vraiment être très intéressant à voir. C'est même ma première curiosité de ce match-là. Ça vous excite, entre guillemets, ça t'excite, entre guillemets, Laborde, Mofi, Pépé en attaque du côté de l'OGC Nice ? Ah bah sur le papier, oui. C'est, c'est trois beaux attaquants. Donc, si l'alchimie prend, ça peut faire très mal. Avec Laborde sur le côté gauche, il n'avait été pas sûr décisif sur le côté gauche. Gaëtan Laborde, c'était contre... Nantes. Ouais, Nantes, donc c'est peut-être un côté... Alors, d'habitude, il était plus à droite, hein, mais en début de match. Mais bon, il fait tout, quoi. Comme il est sur le terrain, il défend, il attaque, il tacle, il distribue, enfin, comme il peut. Techniquement, lui aussi, c'est pas son registre le plus... où il a le plus de réussite, mais quelle activité incroyable. Bon. Romain, sur ce trio Mofi, Pépé, Laborde, toi aussi, ça t'intéresse ? Ça fait envie, c'est sûr. Hein. Et puis là, c'est le match parfait hein, pour soigner les stats. Tu le rappelles, le goal à Vérale. Non, c'est vrai que sur le papier, ça fait envie. Hein. Trois attaquants qui ont l'habitude de marquer des buts, des profils variés. Peut-être pour ça que Didier Digard il a insisté sur le fait que Pépé ait travaillé le repli défensif. Si c'est le jeune Mendy qui est là, qui n'a pas énormément de matchs de Ligue 1, c'est peut-être un indicateur aussi pour la compo qui lui est demandé de plus travailler les replis défensifs. Je sais pas. Ça peut être important, effectivement. Ça peut être une donnée de ce match, même si le repli défensif, encore une fois, face à Angers, voilà. Tous les matchs, le repli défensif est important. Tu as raison. Plus tu travailles dans le repli, plus tu as le ballon. Hein, tu as raison. Il ne faut pas trop se replier non plus, hein, à un moment donné, pour savoir bien attaquer aussi. Juste, on parlait de Nice-Bâle le 20 avril. La billetterie est ouverte. Hein, le troisième anneau de la Populaire Sud est complet déjà. Oui, ça c'est bien parce que la brigade et les Populaires Sud et tous ses adhérents se mobilisent, c'est sûr. Il y aura beaucoup aussi de Niçois à Bâle. Le parquage sera un très beau parquage. Ouais, 1900 Niçois à peu près. Voilà. Mais en revanche, c'est les tribunes qui sont les trois quarts du stade qui ont plus de mal à se remplir. Et ça, c'est un peu plus frustrant. On fait encore un appel aux Niçois. C'est un quart de finale, le premier depuis 63 ans. Et puis surtout, une perspective dans cette Coupe d'Europe d'aller très loin. Donc, faut pousser cette équipe. Ouais, ça peut se débloquer aussi après le match aller. Hein. Souvent, le Niçois prend son temps. Voilà, suivant le score, c'est vrai que. Et à Piano Vassan. Et à noter qu'il y a un pack avec des places pour le Paris Saint-Germain, parce qu'ils ont été remis en vente certaines places dans le parquage visiteur, puisque les supporters parisiens ne pourront pas faire de déplacement, ils sont interdits de déplacement. Donc un pack remis en vente avec des places pour le Paris Saint-Germain et des places pour Bâle. T'en as pris ? Moi j'ai pris pour le Paris Saint-Germain, oui, effectivement. Pas pour Bâle ? Pas pour Bâle, non. Pas encore. D'accord, tu fais comme tous les Niçois, quoi. T'attends. Exactement, non, mais en fait, c'est comme ça. Il y a une donnée, une difficulté supplémentaire, c'est que c'est le jeudi soir pour les familles. Mais ça sera pendant les vacances. Il peut y avoir aussi cette donnée-là. Les gens partent aussi en vacances aussi, peut-être. Il n'y a plus de neige, il n'y a plus de ski, il n'y a plus rien à faire. Non, mais c'est à Pâques, on fait autre chose. Non, mais il faut aller voir le gym. Il faut aller les emmener. Non, mais bien sûr, évidemment, on encourage tout le monde à aller voir ce quart de finale retour. Non, franchement, c'est historique. Il faut y aller. Et ça sera peut-être le dernier de la saison, en plus en Coupe d'Europe. Mais oui, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Voilà, ce sera plus ne pas avoir de regrets que face à Angers. Cette fois, on est bon. On peut passer au souvenir, toi. On a fait le conducteur, t'as checké, on a checké. Tout fait. Mais non, il est trop pressé, mais non, il faut qu'on arrête l'émission. Mon cher Philippe, tu vas nous parler évidemment de Jean-Philippe. Enfin, on va parler ensemble de la carrière de Jean-Philippe à l'OGC Nice en deux temps. En deux temps pour... Sa carrière à Nice. Alors, sa carrière à Nice. Donc, Jean-Philippe est arrivé en 85, c'est ça ? Oui. Avec Jean-Paul Bernade, tu étais arrivé. Deux super milieux de terrain. Et c'est hier, hein, 85, donc pour moi c'était hier. Donc, temps-là, ça avait 20 ans. Il est resté un an à Nice et puis il a eu une très belle proposition de l'AS Monaco. Donc il a fait un petit détour par le Rocher et puis après il est revenu. Il a plutôt bien fait. C'est pas pour les supporters que. Champion de France. Champion de France avec l'AS Monaco. Champion de France avec l'AS Monaco de Glenn Hoddle. Qui est le meilleur joueur avec qui tu as joué pratiquement, Glenn Hoddle. Ah oui, incontestablement. Ouais, ce que je l'ai vu faire en match et à l'entraînement,
ça dépasse l'entendement. Je l'ai vu lober 4-5 fois Ettore du milieu de terrain. Parce que quand on faisait des oppositions 3ème division contre les pros, les gardiens étaient inversés. Donc Jean-Luc Ettore jouait avec la 3ème division. Et le gardien de 3ème division qui joue avec nous dégagé. Glenn Hoddle, milieu de terrain, contrôle de la poitrine. Il se retournait de volée, de demi-volée. Et il a marqué 4-5 buts comme ça du milieu de terrain à Jean-Luc Ettore. Et à Nice, c'est Bravo le meilleur avec qui tu as joué ? Oui, Bravo. Daniel, Daniel était vraiment... il jouait en pointe, faux numéro 9, il était vraiment, très très bon. Mais après, c'est pas pour dire, mais Jean-Philippe, il était plus fait pour jouer à Nice qu'à Monaco. Parce que c'est un joueur de tempérament, de caractère, un peu volcanique comme l'était le Stade du Ré. Donc c'était deux rencontres de feu et ça a super matché. Il était adoré des Niçois. Et puis donc le deuxième passage, c'est le passage avec Djekovic au début. Oui, j'ai quitté Monaco pour revenir parce que bon, y a Nenad Djekovic qui était d'une part un joueur contre lequel j'ai fait un de mes premiers matchs en pro et qui était un joueur fantastique. Qui pour moi était un grand entraîneur et donc il me voulait absolument et j'avais envie de rejouer au Stade du Ré, j'avais envie de rejouer avec des bons joueurs, enfin j'avais envie de retrouver le GC Nice et puis j'ai pas regretté. On a fait une première saison là lors de mon retour exceptionnel, on a loupé l'Europe d'un point. Avec une demi-finale de coupe à Sochaux. Non, ça c'est l'année précédente. L'année précédente. L'année où j'étais à Monaco. Ouais. Tu avais raté ça. Voilà. Et donc mais Jean-Philippe c'était un milieu qui savait mettre le pied quoi. Et puis qui savait donner un ballon. Et moi j'ai toujours cette anecdote racontée par Fred Joria, Jean-Philippe Mathieu qui faisaient leur premier match en pro à Cannes. Et m'a raconté aussi par mon ami Roger Ricord, et où il y avait un défenseur de l'OGC Nice, donc coéquipier de Jean-Philippe, avec qui il n'était pas spécialement. Tu veux pas dire le nom aujourd'hui. Oui, on peut dire le nom, puisque c'était Jackie Bonnevet, qui fait une faute, je ne sais plus sur qui. Je crois que c'est sur Stopira. Stopira, qui fait une faute sur un canoë. Et l'arbitre vient pour lui mettre un carton jaune et Jean-Philippe lui demande de lui mettre un rouge. À ton coéquipier. Oui, bon. C'est exceptionnel, ça. Oui, bon, pour l'ensemble de son j'en tire pas une grande fierté, mais c'est vrai qu'à l'époque, il n'était pas dans le coup lors de ce match-là. Au bout de 30 minutes, il avait beaucoup de difficultés. Et puis. Oui, c'est vrai que j'ai demandé à l'arbitre de l'expulser. C'est pas plus simple de demander à l'entraîneur de le changer. Mais sur le coup, c'est ce qui m'est passé par la tête. Mais c'était fantastique parce que moi, les Ricord, Joria et tout, ils me le racontent encore en me disant mais on n'avait jamais. Et c'est le truc qu'on n'avait jamais vu et c'était. Mais maintenant, ils se gondolent de ça. Ouais, il y avait les joueurs canois aussi qui me disaient de me calmer. Il y avait Luis Fernandez. Oui, il y avait Stopira, il y avait une grosse équipe, je crois. Je ne sais pas s'il n'y avait pas Primorac, enfin Savic. Mais c'est vrai que c'est une anecdote que Philippe et puis beaucoup aiment bien raconter. Et ça a été un super joueur de foot, mais c'est vrai que chaque fois, moi, j'ai des anecdotes quand il découpe les mecs. Donc aussi, quand il avait taclé Amoros à la gorge. Moi, je pensais que c'était au Vélodrome, mais finalement, Non, c'était à Nice. C'était à Nice. On jouait contre l'OM au Stade du Ré, et puis on était quand même en difficulté. On avait une équipe amoindrie. Alors, j'étais peut-être un petit peu énervé, et puis Amoros déborde sur le côté, et puis bon, j'étais en retard, parce qu'en plus, Amoros va très vite, et je l'ai taclé, un tacle qui aujourd'hui vaudrait 6 mois de suspension. À la gorge, littéralement à la gorge. Au niveau de l'épaule. Voilà. Il n'a pas été sympa avec lui quand il était par terre aussi.
Ça, je ne me souviens pas. Donc, ça avait fait, un attroupement, une émeute, une bagarre générale. Ouais. Et au retour, voilà, il y a eu règlement de compte au Vélodrome. Quoi. Il était, ouais, les Marseillais m'attendaient. Roger, ouais, m'a dit, Roger Ricord m'a toujours dit, j'ai jamais entendu le Vélodrome siffler un joueur comme lui. Ouais. Oui, parce que bon, bah, ça, c'est vrai que le match aller, ça avait quand même créé une grosse polémique. Et il y a beaucoup de gens qui me disaient qu'il ne fallait pas que j'aille au Vélodrome, mais bon, moi j'y suis allé. Oui. Ouais. C'est vrai qu'il y a eu une bronca pendant 90 minutes quand je touchais le ballon. Et avec puis, un traitement en faveur de Carlos Moser. Oui, et les autres. Mais Carlos Moser, au bout de 2-3 minutes, m'a taclé au niveau du genou. Et quand Moser taclait, c'était quelque chose. On a des images du fameux Nice-Strasbourg, Philippe, avant de te redonner la parole, le fameux 6-0. Tu étais dans cette équipe, hein, Jean-Philippe. Est-ce que c'est ton plus beau souvenir sous les couleurs du gym? Oui, oui. Match de barrage. Hein. Oui, oui, c'est mon plus beau souvenir. Bien que ce fût un match de barrage, mais... on avait une équipe qui, normalement, n'aurait jamais dû jouer un match de barrage. Hein, on avait une équipe pour jouer beaucoup plus haut. Oui. Avec Milos Gelmas, Robbie Langers. Voilà, bon, là, pareil, Basti Miloš est sur le terrain. J'y suis pour quelque chose. Et tu sais que Carlos Bianchi... Je vais expliquer pour raconte l'anecdote. Et Carlos Bianchi, que j'avais eu au téléphone il n'y a pas longtemps pour un papier, me dit « Oh non, mais ça ne s'est pas vraiment passé comme non, ça. » Non, alors voilà comment ça s'est passé. C'est très, très clair. Il n'y a qu'une version. Je descends. Donc, on était à l'hôtel à Talazur. Et je descends après la sieste pour la collation. Et... il y avait la salle de conférence où, après la collation, on faisait la causerie d'avant-match. Et j'ouvre la porte et il y avait le tableau avec la composition d'équipe. Et Milos Gelmas était remplaçant. Et je suis remonté dans ma chambre et j'ai appelé le président, Mario Innocentini. Il n'y avait pas de portable à l'époque. Hein. Je l'ai appelé sur sa ligne directe dans son entreprise. Et je lui ai dit, écoutez, président, Milos n'est pas titulaire. Et je dis, c'est impossible qu'on puisse renverser ce match-là sans Gelmas, qui était un joueur merveilleux, qui était très inconstant, mais quand il avait envie, c'était aussi un joueur de classe internationale. Hein. C'était vraiment un joueur exceptionnel. Et donc, il me dit, bon, je vais m'occuper de ça. Donc, on part à la collation et je reviens dans la salle de conférence et la composition sur le tableau avait changé et Gelmas était titulaire. Et ça s'est passé comme ça. Mais c'est vrai qu'à l'époque, Jean-Philippe et d'autres cadres de l'équipe ne parlaient plus à Carlos Bianchi, oui, à l'entraîneur. On était 5-6 à ne même pas le saluer. Voilà. Tout Carlos Bianchi qu'il était. Oui, mais c'est vrai que bon, mais il est arrivé en cours de saison. C'est avec, quand comme, même le comme coach, objectif de sauver le voilà, club. Voilà, ouais. Coach qui a sauvé Nice, mais après au niveau interne, on savait pas tout ce qui se passait. Autant ça a été un grand joueur, mais c'était pas même s'il a eu une carrière pour moi de façon incroyable au plus haut niveau, mais j'étais pas du tout et j'étais pas le seul fan de ces méthodes d'entraînement de management et de management surtout de management, ouais. Surtout ouais. Parce qu'il avait tendance à se défausser, c'est-à-dire que quand on perdait 1-0 et qu'un joueur avait fait une erreur de marquage dans la presse et partout, il pointait du doigt l'erreur du joueur et pas comme les grands managers qui couvrent les erreurs individuelles. Parce que vous imaginez, on dit, tiens, toi, c'est de ta faute si on a perdu, parce que t'as perdu un ballon, t'as pas marqué l'avant-centre comme tu l'aurais dû, t'aurais dû le faire. Et le match d'après, ce joueur ne peut pas être en confiance. Mais il se défaussait en permanence pour me... et il ne prenait pas ses responsabilités. Donc voilà pourquoi il était loin de faire l'unanimité dans le vestiaire. Et puis Philippe, donc il y a cette carrière à l'OGC Nice, et puis il y a cette carrière internationale. Et un titre magnifique. Cette médaille d'or au JO de Los Angeles en 84, avec Henri Michel à la tête des Bleus. Oui. On voit quelques images là, effectivement. Donc, tu avais joué tous les matchs, hein, je crois, hein, de cette... Oui, à partir du quart de finale, oui. Voilà, ouais, sans... La passe D. Tac. Qui c'est qui marque, là? C'est Brisson. D'accord. Brisson, qui avait une détente verticale exceptionnelle.
On jouait contre mon adversaire direct, je crois que c'était Dunga, qui après était titulaire pendant... Le capitaine de l'équipe du Brésil, champion voilà, du monde. Voilà, donc ils étaient grands favoris, mais on a fait un... On a été chirurgical. Les Jeux, c'est un grand souvenir ? Oui, c'est un grand souvenir, parce que déjà la vie au village avec, Los Angeles, en plus. Avec Edwin Moses, je crois qu'il y avait les Américains, Michael Jordan, et on mangeait à côté d'eux, il y avait on côtoyait Carl tous Lewis, ces athlètes. Carl Lewis, c'était le seul athlète qui n'était pas au village. D'accord. Par contre, on est allé voir ces compétitions, je crois que j'ai vu 4 médailles d'or de Carl Lewis, c'était impressionnant. Il y avait 80 000 personnes qui se levaient quand le sprint commençait. Et là, et c'est souvent le cas avec d'autres athlètes. Il y avait un public qui était fantastique et on voyait les athlètes américains se surpasser avec le public. Et ils ont engrangé beaucoup de médailles. Mmh. Et Jean-Philippe, qui est lorrain de Metz, est resté sur la côte. Mmh. Carrière qui s'est achevée tôt, 30 ans seulement. Oui, il me restait encore 4 ans de contrat à Nice et j'étais. Je fais l'histoire, je vais vous la raconter un peu rapidement. J'ai eu une double entorse contre Bordeaux. Je fais un 1-2 avec Daniel Bravo, il y a Roche qui me tacle par derrière. J'ai une double entorse et on joue 3 jours après à Monaco. Et on était 4e, on était. Et j'ai joué avec des infiltrations. Et puis à partir de là, ça a été un scénario horrible. J'ai été opéré 6 fois. Et j'ai rejoué une ou deux saisons, une dizaine de matchs, mais j'étais blessé. Alors que bon, j'ai pas vu le bon chirurgien. Parce que quelques années après, j'ai été opéré avec succès en Belgique. Ça allait bien. Ouais. Voilà. Et reconverti donc dans le backgammon d'abord, un peu. C'est pas une reconversion. C'est-à-dire que ce sont des passions qui m'ont permis de bien digérer une carrière arrêtée sur blessure. Donc j'ai été 2 fois champion de France de backgammon. J'étais champion d'Europe en double. Voilà, après, donc il y a eu la saga du poker où la plupart des joueurs de backgammon sont partis vers le poker et je m'y suis mis. Et puis voilà, avec de beaux résultats. J'ai voyagé dans le monde entier, j'ai fait des bonnes performances. Sacré gain en carrière. Et maintenant, tu joues au Scrabble Non. Là maintenant, je suis les entraînements de mon fils et ses matchs. Mais donc. Pour pouvoir y assister, j'ai mis mes passions de côté. Ouais. Et oui, parce qu'il faut faire le tour du monde quand on joue au poker. Voilà. Ouais, effectivement. Mais c'est vrai que c'est une époque qui a marqué aussi les années Rohr, Ricord, Bravo, Bocandé, Gelmas. Enduro. Ah oui, c'était quelque chose. Esner. C'était quelque chose. Le Ré. Ah oui. Et puis Nenad, Bjekovic, coach. À Nice, c'était un dieu vivant. Hein. Ouais. Je crois que c'est une des plus grandes idoles que le club ait connues et qui reviennent après comme entraîneur. Ouais. Avec Baratelli. Voilà. qui était aussi une de mes idoles quand j'étais plus jeune. Ouais. Ah ouais. Idole de beaucoup de monde, Dominique Baratelli. Et vrai. C'est vrai. On l'attend sur ce plateau de Gym Tonic. Messieurs, merci beaucoup. Merci à toi, Mickaël. Merci d'avoir été avec nous sur le plateau de Gym Tonic. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci à Philippe Bertini, Sophie Doncé, Franck Fernandez et Chloé Wargard à la préparation et à la réalisation de cette émission. On se retrouve jeudi prochain, l'avant-match face au Paris Saint-Germain et l'avant-match aussi, le quart de finale aller contre Bâle. D'ici là, passez une très bonne semaine. Bye bye.